Alors, dans mon cacao, je rajoute un peu de lait. Je pétris ma pâte et ce bâton, je le mets à lever pendant 1 heure dans mon étuve à 25 degrés. Je mets mes lamelles de beurre dans un rectangle de papier cuisson de 20 cm par 18 de côté et j'aplatis le tout. Je décuve ma pâte et je la dégaze. Puis sur un plan fariné, je l'étale en un rectangle par 20 cm de large sur 36 cm de long. Une fois mon rectangle de 20 cm par 36 réalisé, je place au centre mon beurre refroidi. Puis j'enferme ce beurre dans la pâte. Et j'aplatis. Je donne mon tour double. Et je filme et je place au réfrigérateur 30 minutes. Alors, j'étale de nouveau ma pâte pour effectuer un tour simple. J'effectue cette fois un tour simple. Et je dépose ma pâte au réfrigérateur 30 minutes. J'étale ma pâte noire aux dimensions de mon rectangle. À l'aide d'un pinceau, j'humidifie ma pâte. Et je mets par-dessus ma pâte chocolat. Je place le tout au réfrigérateur 30 minutes. J'étale une dernière fois mon pâton qui, une fois paré, doit avoir les dimensions de 30 par 24. Cette pâte, je la coupe en deux. Puis chaque moitié en trois. Je retourne la pâte, je dépose le premier bâton de chocolat,
j'appuie bien. Le second, je termine de rouler. Allez, je place maintenant cette plaque dans mon étuve 25 degrés pendant 2 heures et demie. J'enfourne maintenant pour 15 minutes à 200 degrés. La dernière opération consiste à appliquer du sirop sur chaque pain au chocolat pour les rendre plus brillants.